Monsieur Roland, bonjour et merci de nous accueillir dans votre entreprise. Pouvez-vous nous décrire votre entreprise en quelques mots et combien d'alternants utilisez-vous? Depuis combien de temps? Est-ce difficile? Bienvenue chez RCB Informatique. Ça commence au niveau bac et ça va jusqu'au niveau bac plus 5 dans les métiers du support, des métiers de la comptabilité, des RH, de la communication, du marketing et puis aussi nos métiers liés au commerce et à l'ingénierie, on va dire, à la technique en fait, à la technique en informatique. Quels avantages voyez-vous au fait de passer par l'alternance plutôt que de passer par un CDD avant un CDI pour un jeune? C'est une très bonne question. En fait, l'alternance nous permet de donner des chances plus facilement à des jeunes qui n'ont pas d'expérience, de les accueillir et voilà, de les faire grandir, de développer leurs capacités au fur et à mesure. Alors ici, on est sur un magnifique site dédié à l'apprentissage, à l'alternance sur les métiers du cycle et du motocycle, parce qu'à 50 ans en Yvelines, on est une terre d'excellence et on a envie de miser puissamment sur l'apprentissage pour que nos jeunes se forment directement en lien avec un métier et en entreprise. Et on a un bel exemple avec Yanis. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur ton parcours? Bonjour, je m'appelle Yanis, j'ai 18 ans. J'ai fait un bac technologique STMG avant de décider de me réorienter vers un CQP en mécanique du cycle, ici à l'INCM de Guyancourt. J'ai décidé de choisir l'alternance parce qu'en fait, ça permet de travailler pendant 3 semaines en entreprise au cœur du métier et avec des collègues déjà qualifiés, ce qui va nous permettre d'être plus à l'aise quand on va aborder la partie théorique des cours ici en centre de formation, mais aussi d'être plus à l'aise avec les outils et les techniques qu'on va utiliser dans des cours comme celui-ci à l'atelier. C'est aussi un grand avantage parce que ça permet d'acquérir énormément d'expérience tout au long du cursus. Et c'est aujourd'hui l'expérience qui est très recherchée par les employeurs. Ça permet aussi d'avoir un certain soutien de la part de l'école et ça apporte un certain sentiment de sécurité et de sérénité pour les personnes comme moi qui débutent dans le monde du travail. Avec le plan Un jeune, une solution, on peut recruter à des conditions extrêmement avantageuses. C'est une forme d'aubaine pour l'entreprise et c'est une forme d'aubaine aussi pour les candidats qu'on accueille chez nous. On a recruté des alternants pour des postes qu'on n'aurait pas pu recruter effectivement en CDI. Et ce sont des jeunes qu'on va former, qu'on va accompagner, avec un objectif, c'est les embaucher en CDI à la fin de leur cursus. C'est vrai que c'est un contrat gagnant-gagnant, gagnant pour le jeune, gagnant pour l'entreprise. C'est un tremplin pour l'emploi extraordinaire. L'alternance, c'est une filière sur laquelle on mise puissamment à 50 ans en Yvelines. Bon courage pour la suite. Merci. Je vous convie à continuer à vous développer à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et un exemple pour favoriser cette alternance à venir, nous aurons le 24 mars un e-job dating qui sera, compte tenu des circonstances actuelles, pas en présentiel, mais uniquement en visio, de manière à favoriser ce recrutement d'alternance, aussi bien pour les entreprises que pour les jeunes qui pourront donc s'inscrire et dialoguer avec vous en direct. Et c'est un super événement et on sera présent pour y participer, présenter nos postes.